magac daray magac aabaha axmed diin axmed baldareenkaaga horta mahadsan tahay waxaan mahad u soo celinayaa madaxweyne ismaaciil cumar geele uu magaciyey af soomaaliya afar isku waxaa la yihahdaa mugac waa magac loo siiyo waa sharaf weyn mahadsan tahay ka waran horumarka uu keeni doono gobolka nabo gobolka hadaal horumar fiican si fiican wuu iman karaa laakiin shaqo badan waa u baahan tahay dad fiican waa loo baahan yahay mas-uuliyad iyo nidaam waa loo baahan yahay kaasimou asaaku ganage axmeddiin mubaacsanihan buu marso naharsida hoonu takelgeetinamaka takel asaaku naharsida ka kaanahani buu marso maxaad nilo kabsada bismi illahi raxmaan raxiim cafar misila har xogsugte akalah barakulhana asmatah daabakod koraana daabakon faregidiake maakel Quelle est votre impression aujourd'hui alors que le lancement de l'aéroport de Coran Garcian va porter le nom de votre illustre père décédé en 2004 Donner à cet aéroport le nom de mon père, c'est assembler un patronyme qui est chargé d'histoire avec un toponyme qui est chargé d'histoire. Je vous rappelle que Sian, c'était le nom que portait la ville d'Aswan du temps de l'Égypte pharaonique. Et nous avons eu des relations millénaires avec les pharaons. La reine Hatshepsut était venue, avait envoyé une expédition ici. Plus près de nous, l'explorateur, l'aventurier humaniste Corto Maltese avait tenu une conversation mondaine à Mulhulé, selon le titre d'un des livres d'Hugo Pratt, bien connu des bédéphiles de Tadjoura et d'ailleurs. Enfin, plus près de nous, il y a les vestiges d'une garnison militaire qui a été détruite par mes ancêtres. Donc, c'est-à-dire détruit par les Italiens au cours d'une guerre contre la colonisation. Ancêtres dont certains ont été déportés, tués, et dont le nom d'un de leurs a été associé, Dignam et de Bakker en l'occurrence, a été associé à un traité de paix dont la version française falsifiée a autorisé l'implantation d'une colonisation dont nous nous sommes débarrassés un 27 juin 1977 grâce à la proclamation d'indépendance de mon propre père. Voilà. Donc c'est un honneur que cet aéroport soit associé à un nom aussi célèbre. Voilà. Merci beaucoup.